Moi, c'est Zapré Marie Noël. Je suis mère de 6 enfants. J'ai un enfant ici au CE1. Les années passées, il fréquentait dans notre village. Ça nous peinait vraiment. Un enfant de 5 ans qui a pour au moins 1 km chaque jour, aller-retour. Matin, il s'en va. À midi, il doit revenir. Le soir, à 13h, repartir. Revenir à 17h, c'était un problème. Ça faisait que, quelquefois, il y a d'autres enfants même qui tombaient malades à chaque fois. Parce que à cause du soleil. Et quelquefois, quand les enfants s'en vont, quand il pleut, tous les effets sont mouillés. Il y a d'autres, même la pluie, même l'eau de ruissellement emportait leurs effets. Donc vraiment, c'est un problème pour nous. Ici, il est venu d'abord, ils ne nous ont pas proposé d'abord l'école. Ils nous ont demandé de se mettre d'abord en coopérative. Et on a commencé à travailler, nous les femmes, on était au nombre de près de 30 femmes. Et on a commencé à travailler, on a fait les petits champs pour faire les petits légumes. Puis on a commencé à vendre petit à petit. Mais au fur et à mesure, ils venaient pour nous encourager. Ils nous ont offert une broyeuse. Et puis une presseuse. Au fur et à mesure, on travaillait avec. Et ils nous ont maintenant posé la question, qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent pour la communauté? On voulait vraiment une école, parce qu'on était dans le besoin, à cause de nos enfants qui souffraient vraiment. Ça fait que d'autres enfants même refusaient totalement même d'aller à l'école. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est parce que cette école a été construite ici, qu'aujourd'hui, il y a d'autres enfants qui ont 10 ans, qui ont 11 ans, qui sont aujourd'hui au CP1, parce qu'ils n'ont pas voulu faire le trajet. En tout cas, le village est content. Le village est content d'avoir vraiment cette école. Toutes les femmes sont contentes. ICI est venu, ICI a travaillé, a réuni les femmes, et les femmes se sont motivées, puis on a commencé à se mettre au travail. Vraiment, ici, il nous a aidés. Ils ont amené cette école. En tout cas, c'est un plaisir pour nous. Ça nous réjouit vraiment.